de voir cette beauté autour de nous, moi, ça me remet dans le temps présent. Moi, je pourrais affilier ça à la méditation, parfois, quand on se laisse glisser. Ben, nos pensées sont ailleurs, sont dans l'exercice, dans l'effort physique. Et ça, je suis sûre que ça amène beaucoup au niveau du maintien du moral. Le moral qui doit tenir, parce que ben, moi, je me trouve dans un tunnel. J'ai pas encore fini le bout du tunnel. Et puis, je me dis, ben voilà, j'ai ouvert des fenêtres dans ce tunnel. Et puis je les veux le plus coloré possible, et puis ça amène de la lumière dans ce tunnel. Elles passent plus facilement à travers la chimiothérapie, elles ont moins d'effets secondaires du traitement. Et puis pour la radiothérapie, ça permet aussi d'empêcher une rétraction, une épaule qui avance comme ça dans la zone irradiée, justement en la mobilisant de manière régulière. Donc on a aussi un avantage de ce côté-là, quoi. Je trouve que j'ai plus d'énergie, je me sens mieux au niveau de mon corps, j'ai un meilleur sommeil. Et puis ben, je trouve que l'ambiance est vraiment sympa, chaleureuse, bienveillante. Puis ça, c'est important. J'ai eu un cancer du sein il y a une dizaine d'années avec des suites, donc je suis toujours en traitement, etc. J'avais des douleurs dans la poitrine parce que j'ai eu une intervention. Et par exemple, vendredi, je pensais que j'y arriverais jamais. Puis le fait d'avoir fait de l'aviron, j'étais en forme. Et depuis, je suis assez en forme. Donc je me dis, je continue. Je viens deux fois par semaine, tant que je peux. Et puis voilà, là, je me sens beaucoup mieux. Donc ne tirez pas trop haut, tirez vers votre sternum, sous votre poitrine, d'accord? Vous êtes à l'arrêt. La position de finish, c'est jambes tendues. Ça participe à la stabilité du bateau. Ce beau bateau que l'ensemble hospitalier de la côte nous a offert, c'est un bateau qui permet d'aller sur le lac même quand il y a des grosses vagues. Et en plus ça, l'avantage, c'est qu'on peut s'éloigner à plus de 300 mètres du rivage. Et là aussi, pour certaines participantes, d'être un peu perdues au milieu du lac, c'est aussi très ressourçant, c'est juste magnifique. Le fait est de se retrouver dans un lieu calme, de pouvoir faire de l'exercice sans réfléchir à la maladie, Ça apporte beaucoup, parce qu'il y a trop d'agressions en amont avec l'opération, les chimiothérapies, et on n'a plus envie d'agression. Je suis mieux là, je suis posée. Et ça fait énormément de bien de se poser à un moment où tout est calme.